Ouais, maman, ça va? Ton père et moi, nous avons décidé de ne plus te donner un centime. Eh ben, si je t'appelle si tard, c'est que je vais marier, maman. Je viens d'avoir Benoît au téléphone. Il voulait te demander de l'argent, j'imagine. Il va se marier. Je vous propose un job. Oh, ça sent l'embrouille, là. C'est quoi, la carotte? Non, il n'y a pas de carotte. Simplement faire croire à ma famille que vous êtes ma fiancée. On se prélasse quelques jours, tout frais payé dans un hôtel. Et à la fin du séjour, si tout se passe bien, ma mère me demande comment je compte financer le mariage. Faut que je ken? Non, ce sera pas nécessaire. Ça va le faire, t'inquiète. Je me sens pas bien, je sortirai. Tu veux sortir où? Je veux sortir! Non, madame, s'il vous plaît. Mais laissez-moi sortir! J'attends mon fils. Il arrive avec sa fiancée, elle est mannequin. Oh, maman, ça va? Espèce de psychopathe, va. Oh, l'hôtel de bâtard. Arrête de manger ça, c'est de la déco. Pour le moment, ça se passe moyen. Je veux vraiment que tu les épates pour le dîner. On passe à l'élégance et au raffinement. C'est quoi cette touffasse là? Comment? Soso, pardon, mais vous pouvez pas rester avec une schneck vintage comme ça là? Fiona, oui. Toi tu es mannequin. Fiona est mannequin de main? Oh. Vous voyez cette main? Elle a assuré pour des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros, vraiment? Bah oui, vraiment, oui. Tu vois, ça, par exemple, c'est 50 000. Et là, il y en a pour 100 000. Elle est... Je sais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère? Bah, tu m'as dit de faire copine-copine avec elle, c'est ce que j'ai fait. Pas en lui faisant le maillot. Bah, t'énerver, fallait le dire. T'as besoin que je te dise de pas épiler ma mère?